pendant toute la journée, on fait la tournée de tout ban à l'école de botte. Et on termine donc le dernier moment ici à Saint-Pierre. On vient dire qu'il retrouve nos activistes une très mobilisée. D'ailleurs, ils dominent tous les autres partis. Et on trouve aussi un électeur qui est mobilisé dans mon guide de body language. Et on vient dire très très confiant. D'ailleurs, c'est une chose que je pourrais voir. Mais il ne faut pas dire que pour moi, c'est aussi le point de victoire des Français. Qu'en est-il sur le plan national? Sur le plan national, bon, vous avez besoin de recueillir des bonnes informations généralement. Bon, on recueillit un peu deux pas et d'autres. Donc, en général, à première vue, je vous parle d'une très positive. Récemment, bon, faire un petit travail pour les différentes opinions, pour exprimer les différentes circonscriptions. Mais peut-être que Finger Hamann sous ça aussi, il y a un gros problème, beaucoup de gens ne veulent pas le récit, il y a aussi une explication. Bon, ou pas au courant, moi personnellement. Qui va être le premier du monde qui est partout capable de voter. Mais on vient dire, si un du monde, son nom, va paraître le registre, vous connaissez, c'est la commission électorale qui est responsable de l'enregistrement. Et la commission, nous tout connaît, il avise le public du monde à non seulement enregistrer le, mais aussi bien vérifier votre nom, c'est pas votre nom la liste ou le registre ou pas. Alors, chaque citoyen il a sa responsabilité aussi. Il est bien, à part le fait que la commission fait un travail, la case dans la case pour guetter, surtout le nouveau électeur, ben, chacun a une responsabilité pour guetter, c'est pas son nom sur la liste. Bon, moi, je ne me pas connaître, moi, combien du monde, qui du monde, qui selon pas ne paraît pour la liste. Mais le CIR, la commission, pour réagir par rapport à sa situation-là. Au numéro 10, Navin Amblan, vous êtes les blancs, le gouvernement, ça va les affaires qui peuvent arriver. Pas pour réagir. Mais comment est-ce capable d'être le blanc, le gouvernement? Il est un ancien premier ministre. Il connaît bien l'institution comment fonctionner. Il connaît bien la commission électorale comment fonctionner. Il connaît bien que la commission électorale totalement indépendante. Et il fait ça justement sa travail pour enregistrer un électeur. Et un électeur vient vérifier si je suis sur la liste. Pour les capacités d'acquise de gouvernement, de quoi que ce soit. Vous pensez peut-être c'est un aveu, c'est un signe de panique hein, dans l'île et qui peut désastre ou un prétexte. Peut-être qu'en pour casse boîte demain, il est capable, enfin, il est capable de gagner une surprise. Peut-être qu'il peut finir tout par un aveu. Prétexte pour justifier sa surprise qu'il a gagné là devant. Monsieur le Premier ministre, ou Ben Codistier, qui est très actif dans la circonscription et finalement est une continuée jusqu'à dernier moment de rater. Est-ce qu'il le type est n'a qu'il doute ou... Bon, non, mais vous connaissez, nous travaillons en équipe, nous ici. Donc, trois camarades, nous sommes toujours là en équipe et nous déportons ce travail là. Donc, moi, je suis là. Des camarades dans différents endroits, nous avons fini de faire la tournée. Pareil pour moi, nous tous, une cause, une donne ma aussi, nous sommes activistes. Et vous connaissez, bien sûr, nous toujours dire qui va un électeur, si je ne suis pas voté, mais ça a l'air, le cause aux autres, le tiers aux autres comprennent qu'ils ont voté. Et d'ailleurs, nous lançons un appel, moi-même, parce que dans un dernier moment, pour dire. Il dit qu'il besoin vous aider à le voter. Donc, ça, l'opération-là, ben, c'est une opération normale, ça, qui nous voulait à le faire, dit qu'il faire notre devoir civique. C'est la quatrième fois que vous candidature numéro 8, mais cette fois, il y a un petit peu différent. Vous pouvez présenter comme Premier ministre, confiant que vous pouvez continuer ici. Ben, très confiant, c'est vrai que cette fois-ci, c'est différent, mais très confiant par rapport à ici, déjà. Et par rapport à la situation au niveau national. Et par rapport au taux de participation à 14h,
tu moins que 50% de la population qui vote en général, qui aurait gagné là hein? Bon, mon parcours gagne le taux de participation final pour la circonscription numéro 8. Et bien sûr, mon parcours gagne pour, au niveau national, pour le pays. Alors, je ne peux pas les hasard, moi, là, à ce stade, pour faire un commentaire, ou un taux qui est basé, l'eau, deux heures, mon banque, mon cité. Alors, laisse-nous être le taux final. Et laisse-nous avoir l'occasion aussi, comparer par rapport à 2014. Donc, ça me pose un petit détail hein, pour vous ce matin-là. Et le cas comparé, les mêmes cas faire un petit commentaire.